D'apparence épurée, l'étagère Schlüterschelf peut aussi bien servir à l'intérieur de la douche qu'à l'extérieur. Dans les salles de bain, les cuisines ou sur toute surface carrelée. L'étagère Schlüterschelf allie à merveille esthétique et côté pratique. Les étagères sont en acier inoxydable d'une épaisseur de 4 mm. Il existe une large gamme de formes et de finitions. Schlüterschelf E est une étagère d'angle. Elle est disponible en 3 formats et 2 styles, curve et floral. Et elle existe en plusieurs finitions, en acier inoxydable et en aluminium structuré. L'étagère est munie de languettes de fixation de 2 mm, ce qui permet son installation dans le mortier joint. L'étagère Schlüterschelf E peut se poser en même temps que le carrelage ou sur un mur déjà carrelé. Dans cette vidéo, nous vous présentons comment poser Schlüterschelf E en même temps que le carrelage. Commençons. Posez le carrelage au mur. Il doit être posé avec une largeur de joint supérieure ou égale à 2 mm. Pendant qu'il est encore frais, retirez le mortier-colle à l'emplacement du joint où sera posée l'étagère shelf. Après le séchage du mortier-colle, positionnez l'étagère à l'emplacement souhaité et tracez sur les deux carreaux concernés des repères en retrait d'environ 1 cm par rapport à la taille de la tablette. Afin de la protéger des salissures, retirez la tablette pendant le jointoiement du carrelage et en évitant d'appliquer le mortier joint à l'emplacement défini pour recevoir la tablette. Après le séchage du mortier joint, remplissez les espaces avec du mastic sanitaire. Insérez l'étagère Schlüterschelf. Déposez ensuite un cordon de mastic au-dessus et en dessous de l'étagère. Avant de poser des objets sur l'étagère, respectez le temps de séchage du mastic. L'installation de l'étagère Schlüterschelf E est maintenant terminée. L'étagère Schlüterschelf, un accessoire pratique et esthétique pour les murs carrelés.